Bonjour à vous, bienvenue sur la Loire. Avec mon collègue Paul, on fait découvrir aux gens les joies de la Loire et tous ses plaisirs et tout ce qu'on peut faire autour. Là, on est sur un bateau traditionnel. Chaumont-sur-Loire, on est à mi-chemin entre Blois et Amboise. On est situé pile entre les deux. Avec le Festival des Jardins, le Château de Chaumont, le Centre d'art contemporain. Et 26 jardins qui vont changer tous les ans sur un thème différent. Après, on peut aussi faire du canoë. On peut aussi faire du vélo le long de la Loire. On peut déguster des bons vins aussi sur les bords de Loire. On a les coteaux, Touraine, Mélan. On peut faire de la montgolfière aussi sur la Loire, au-dessus de la Loire ou au-dessus des châteaux. Ça, c'est la météo qui le décide. Pour les amoureux de la nature, on va avoir les oiseaux migrateurs qui vont arriver à partir du mois d'avril pour les sternes. Les grands oiseaux comme le héron, les grettes garzettes, la grande aigrette, la hera alba, le héron blanc. Oh là! Ah ouais, on a eu droit à un plongeon de ouf. Le ragondin qui est arrivé après la disparition du castor, qui lui a été réintroduit en 75. Donc le castor, lui, on le verra plutôt le matin tôt, ou tard le soir. En flore, on va avoir une plante assez emblématique sur la Loire, c'est la saponaire, c'est le savon végétal. Sur la Loire, je dirais que c'est... on s'en lasse pas, c'est jamais pareil. Une diversité de paysages, et une harmonie dans les couleurs et les lumières. Profiter de la Loire de façon... en prenant son temps. Parce qu'on a quand même un temps différent sur la Loire. C'est-à-dire que qu'on soit en bateau ou en vélo ou en balade sur le fleuve, on a une rupture dans le temps commun. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir apprécier les choses, quoi.